Chers publics, bonsoir. Une seule devise pour le manioc: nourriture, santé, argent. Avant toute chose, nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui vis au-dessus de nous, j'invoque ton Esprit Saint. Envoie cet Esprit Saint dans nos champs de manioc, Père éternel. Bénis nos maniocs. Bénis nos maniocs, Père éternel. Envoie les pluies dans nos champs. Afin que, Père éternel, nous puissions avoir des gros tubercules de manioc. Envoie ton Esprit Saint dans nos champs, Père éternel. Envoie l'esprit des tubercules dans nos champs, Père éternel. Père éternel, dans la zone de l'Est Cameroun, des jeunes chaque matin pour partir à l'école mangent du manioc, accompagné soit de l'avocat, soit de la prune, ou encore avec de l'huile rouge, Père éternel. Père éternel, envoie ton Esprit Saint dans nos champs de manioc. Père, je pense aux étudiants, ces fameux étudiants, Père, qui considèrent le tapioca, comme sauveur. Comme sauveur, Père éternel. La formule celle. Le tapioca de pièces, le sucre de Ngoma, l'arachide de Ngoma. Père éternel, envoie ton esprit dans nos champs. Père éternel, en santé, le manioc est utilisé pour lutter contre le manque de sang, les blessures, l'ulcère de la peau. Père éternel, le manioc est utilisé en industrie pour la fabrication de l'amidon, l'alcool, Père. Cet alcool qu'on détruit, on oublie les soucis, on noie les soucis. Père, envoie ton Esprit Saint dans nos champs. Père éternel, grâce au manioc, la pauvreté, la famine sera un vilain rêve. Amen. 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 Avant la fin de cette présentation, je vais vous montrer comment, avec 1 hectare de manioc, on est capable de se faire 4 millions de francs CFA. Que quelqu'un dit Amen. 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 Ok, la prédication de ce jour est tirée dans la Sainte Bible, Cassava, chapitre Kashinga, verset 1 à 10. Il vous sera présenté selon ce thème-ci. Dans ce chapitre, on parle de la caractérisation des cultivars de manioc qui sont tolérantes aux mouches blanches. Avant toute chose, il est crucial de vous montrer l'importance du manioc. Le manioc a plusieurs vertus. Le manioc peut être utilisé pour la fabrication du pain, du gâteau. Je suis dépassé. Même le tapioca. Pour tous ceux qui ont des problèmes de manque de sang, si quelqu'un a un problème de manque de sang, il rentre chez lui, il récupère les jeunes feuilles de manioc, il les pile, il presse le jus de sang, il mélange soit avec de la grenadine, soit alors avec le lait non sucré. Il boit un verre matin, un verre soir. Après une semaine, il retrouvera sa santé. Dites Amen. 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 Alors,
C'est vrai que notre manioc a beaucoup de vertus, mais il rencontre un réel problème. La mouche blanche, appelée Babesia tabaci, qui a une action directe sur nos maniocs. Il détruit nos maniocs. Regardez comment les fleurs perdent les structures. Il a une autre action. Il est capable de transmettre le virus du maladie appelé mosaïque africaine du manioc. Cette maladie-là, regardez comment elle détruit nos maniocs. Elle est capable de prendre la maladie ici, la transmettre jusqu'en Garoundéré et on tombe, nous aurons ce qu'on appelle une épidémie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Résoudre ces problèmes. Nous avons commencé par la caractérisation. C'est quoi la caractérisation? Généralement, quand vous partez à l'hôpital, on commence par prendre soit votre poids, soit la taille. Toutes ces choses-là. C'est pareil chez le manioc. Ce que j'ai commencé, quand je suis arrivé au champ, j'ai observé une tige de manioc. Je me suis dit, tiens, pourquoi les branches? Pourquoi la couleur des feuilles? Pourquoi la grosseur de cette tige? C'est tout ça qui fait la caractérisation. En fait, on s'est dit, tout être humain ne réagit pas de la même manière face à une maladie. Et pour continuer, nous avons essayé de dénombrer le nombre de mouches blanches qui sont responsables de la transmission de ce virus. Généralement encore, quand vous allez à l'hôpital, on vous demande qu'est-ce que tu as mangé le matin? Est-ce que tu as dormi sous la moustiquaire? Est-ce que... C'est pareil ici. On s'est demandé, tiens, le manioc a été exposé à quoi? Quels sont les différents insectes qu'on trouvait en champ? Il était donc primordial, comme nous savons déjà que Babesia tabaci, la mouche blanche, est responsable de la transmission du virus. Nous avons donc considéré qu'il était urgent de compter ces mouches blanches-là. Par la suite, nous avons essayé d'estimer la sévérité de la maladie. Quand je parle de sévérité de la maladie ici, j'ai fait allusion au fait que lorsque nous arrivons à l'hôpital, on te dit, tiens, cette personne-ci, est-ce qu'auparavant, est-ce qu'il était comme ça? Il a pu se maigrir, il a perdu le poids et tout le reste là. C'est pareil ici. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, la feuille commence à avoir les pointillés. Ici là, les feuilles commencent à se dégrader. De l'autre côté, pareil, le dégradement est accentué là-bas. Alors c'est très pire. C'est ça qu'on appelle la sévérité, l'évolution de cette maladie, le degré de la maladie là sur l'individu. Pour conclure, je vous dirais ici que l'architecture de la plante, les caractéristiques morphologiques de la plante agissent sur le développement de la maladie. Ok, je vous ai promis que je vais vous dire comment faire pour avoir 4 millions de francs avec un état de manioc. Imaginez dans votre champ de manioc, vous avez une tubercule comme celle-ci. Un hectare de manioc équivaut à 10 000 pieds de manioc. Si on vend un seul pied de manioc à 500 francs, fait 10 000 fois 500 francs, alors nous avons 5 millions de francs CFA. Après avoir dépensé au maxi, le maxi c'est 1 million, tu te retrouves avec 4 bâtons dans la poche. Alors, mes chers frères, je vous demande d'aider nos enfants à s'épanouir. Et dans nos enfants à s'épanouir. Que quelqu'un dit amen. 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 De toutes les façons, je ne vais pas rentrer sans. Je ne vais pas marcher à pied pour rentrer. Je vous invite à la collecte. Le poste va commencer.